Céleste, parents de la mariée, à droite. Le père et la mère du marié, ici, bien, allez-y, par là. Non, pas si près de votre fils, madame Giraud. Vous avez vu la mère Giraud? Toujours sa tête d'enterrement. La Vincent est pourtant autrement plus belle et intelligente que son Gilbert. Je me reviens. Faut dire qu'elle l'a tellement trouvé, son crétin de fils. Ah, elle fait un beau mariage, la Vincente. T'aurais bien voulu lui donner ta cadette au fils Giraud, hein. Allez, allez, serrez-vous ici. La bouche est d'aujourd'hui. Souriez, souriez. C'est vraiment plus intéressant que les chemins de fer. Souriez. Le petit oiseau va sortir. Allez, attention. Un, deux, trois. Et maintenant, de Paris. Le président Lebrun a inauguré ce matin la nouvelle présentation du parc de Bagatelle en compagnie de Joséphine Baker. Une rose a été créée en l'honneur de la chanteuse de « J'ai deux amours ». Sa couleur, jaune banane. De l'autre, M. Neville Chamberlain déclare que l'accord est général sur les principaux objectifs entre Moscou et son gouvernement. Il n'est pas question, a-t-il déclaré, de limiter l'aide militaire que l'Angleterre, la France et l'URSS conviendront de s'accorder. Le gouvernement britannique est prêt immédiatement et sans aucune réserve à se joindre au gouvernement français pour donner à l'Union soviétique un complet appui militaire. Elle y vient donc. Laisse-moi, je te dis. Oh, dis donc, Mme Giraud, t'as pourtant tout ce que tu voulais. T'es riche à présent. Puis t'étais bien contente, hein, que je marche pour le gosse. Quoi? Si tu m'avais pas prise de force, et si t'avais pas été le premier, riche ou pas, jamais, tu m'entends? Jamais j'aurais été ta femme. Bientôt les vacances, hein? Fini les pénitences. Oh, encore une quinzaine, mon grand. Et avec tous ces bruits de guerre, qui sait ce qui va se passer? Depuis qu'il parle d'appeler la classe 36 et 37, mon mari s'attend au pire. Et oui. Bientôt, ça va être mon tour. Voilà. 9 francs 80, madame Huguet. Merci. Bonjour, madame Huguet, ça va? Ben, au revoir, madame Huguet, bonne journée. Allez, du vent. Madame Opie! Ta sœur, elle doit être au fond du jardin. Elle finit de tendre le linge. Ah, il fait chaud, bon Dieu. Bonjour, ma biche. Alors, ça pousse? Il y a mieux pas encore? Écoute pas, fichu la paix. Il est bien où il est, tu sais. Yvette, tu veux que je t'aide? Je rencontre Angéline chez Migui. Ta robe est prête, elle t'attend pour un essayage. Je suis venue, j'y vais. Pas mal. Un peu plus court, peut-être. Oui, si tu veux. Mais dis donc, je trouve que t'es pas mal ronde, déjà. C'est pour quand? La fin octobre. Je crois qu'elle sera mieux que l'autre. Mes deux enfants, ils sont où? Avec leur père. Chez les beaux-parents à Dalpalto. Dis, Vincente, tu crois vraiment qu'on va voir la guerre?
vie et la population. Ordre de mobilisation générale. Le premier jour de la mobilisation générale est le samedi 2 septembre 1939 à 0h. Les hommes de la classe 33, 34, 35... Fais bien attention à toi. Tu nous écriras. Tu nous écriras. Alors, si la Yvette se met à pleurer aussi, au revoir. Allez, courage. Mon Pierre, pense à nous. Pense à moi. Pleure pas, Angéline. Dans 3 mois, la guerre sera finie. Au revoir. Juste le temps de leur filer une dégouillée au frisé. Oui. Je te le jure, on sera rentré pour Noël. Hein? Saloperie. Saloperie de pâte. Giraud ! Voilà, voilà ! Une lettre pour votre belle-fille. Merci, facteur. C'est une lettre de Gilbert. Ma chère Vincente, peux-tu m'envoyer des chaussettes en laine, des grosses ? Car dans la région, il commence à faire froid. À part ça, tout va bien, calme plat. J'ai retrouvé le fils fournier de Saint-Julien. Donne le bonjour à mes parents. Ici, pas de femme à l'horizon. J'ai montré ta photo aux copains. Ils disent que je dois... Mais elle n'est pas pour vous, cette lettre. Pourquoi vous l'avez ouverte? J'ai le droit de lire toutes les lettres de mon fils. Je suis sa mère, après tout. Comment est-elle? Elle a les douleurs, quoi. Faut savoir supporter. Ah, docteur, faites vite, Chunkle arrive. Oh, d'affolement, ma petite fille. Il n'arrivera pas tout seul. Nous allons l'aider. Allons, mesdames, allez, faites-moi chauffer de l'eau. Allez, allez. Allaitaient leurs enfants. J'ai nourri Gilbert pendant plus de 6 mois. Julia, donne-moi le petit. Julia! Tu ne sauras jamais t'en occuper. Une femme qui n'a pas de lait, c'est pas une mère. Sacrée fille, la Vincente, hein? Hé, hey Vincent, viens nous voir un peu par là. J'ai pas le temps, moi. Mais, il paraît qu'il est tout chétif, son petit. D'après Julia, à 3 mois, il pèse pas plus lourd qu'un chardonneret. Tu
T'as des nouvelles de Gilbert? Pour moi, rien de spécial. Vincent, vite, le petit a une crise, il s'étouffe. Gilbert a pu avoir une permission. C'est quand même bien pour toi. Dans ton malheur. Cet enfant, j'ai jamais senti qu'il était à moi. Jamais. Pourquoi tu dis ça, Vincent? Allons. Dire que je me suis mariée pour lui. Pour ce petit. Oh, Géline. Tu peux pas comprendre. Toi, tu l'aimes, Pierre. Quand est-ce qu'il doit repartir? Demain. J'espère. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pierre, dans sa lettre? Toujours la même chose. Que la guerre va bientôt finir. Et ta belle-mère? Elle, alors, elle n'arrête pas. Hier, elle m'a encore reproché la mort du petit, hein. J'en ai eu par-dessus la tête de ses réflexions. Alors j'ai pris mes affaires et je suis retournée dormir chez mes parents. En somme, t'as retrouvé ta chambre de jeune fille? Oui. Les Allemands avancent et toutes les routes sont bombardées. Nous avons dû laisser la voiture près d'Orléans. Et ça fait 3 nuits qu'on n'a pas fermé l'œil. Vous pourriez peut-être nous trouver une chambre. Vous êtes combien? À 3. Ma femme, ma belle-sœur et moi. 20 ans. 5 personnes. Morin. Indy. Ferme le coq. 5 personnes, plus les granges. Et chez Alliot, il n'y a pas de place dans cette grande baraque? Ah ben, ne comptez pas sur moi pour le lui demander. Je lui ai déjà dit qu'il était très égoïste. Il ne pense qu'à ses papillons. C'est bien vrai qu'à ses papillons. Et au château, La famille du Nord vient d'arriver, nous sommes au complet. Je peux loger des gens dans les communs. 10, 20 personnes, et ils auront un toit. On attendra mieux. Madame de Beaucourt, 20 personnes. Famille Giraud. Ça, c'est moins sûr. Tiens, Vincent, tu peux demander à tes beaux-parents? J'y vais, mais je connais déjà la réponse. Pas de réfugiés chez nous. De l'affection de notre admirable armée. Chacun son malheur. Nous avons une autre part. Hein. Attends, mais il faut peut-être que... Il y a des enfants, quand même. Non, non et non. Cette guerre est déjà assez terrible pour nous. Toi, bien sûr, il te manque pas beaucoup, Gilbert. Écoutez. Mais qui me rende mon fils au moins? À rechercher avec moi. Alors, pour la chambre. Après la lutte. C'est non. Les moyens de mettre un terme aux hostilités. D'ailleurs, la guerre est finie. Tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures. Bonne santé. Et vice Pétain. Quand on a tout perdu, il n'y a plus que ça à faire. Mais on pouvait encore se battre. Mais on a été trahis de partout. J'ai demandé à Gabriel de loger tous ces pauvres gens. Il n'y a plus à aller nulle part. Par là-bas, naturellement. T'es sûr? Bien sûr, j'en viens. À propos, Gilbert a été fait prisonnier le 16, dans les Ardennes. Mon Dieu, mais comment tu l'as su? À la mairie, une réfugiée de Charleville. Son mari est du même régiment et... Le pauvre, mais c'est pas possible. Moi, je vais leur laisser ma chambre. Je coucherai avec toi. Nous n'avons pas beaucoup de place. Vous vous servez? À la guerre comme à la guerre. Si vous voulez me suivre. Oh, merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci.
mieux, toi? T'as encore pleuré? Vincente, ça fait si longtemps que j'ai pas de nouvelles. Le courrier est long à venir en ce moment. Il faut que tu sois raisonnable, Angéline. Allez. Mais toi, tu peux penser à ton mari. Puis t'as tes enfants. Bonsoir. Bonsoir. On a pu passer la soirée avec toi, Angéline. Mais entrez. Les enfants dorment? Oui. Vous me faites bien plaisir. Je suis tellement triste toute seule. Ça fera bientôt un an que mon Pierre est prisonnier. Tiens, voilà des fusettes pour ma jupe. C'est bien, je vais pouvoir la terminer. On peut allumer ta TSF? Bien sûr, mais on entend toujours la même chose. Absolument, et à De Gaulle est un traître. Encore eux. Qu'est-ce que je vous disais? Hors d'état de nuire. Une entente complète, entière avec l'Allemagne doit nous sauver. La France a toujours change, je t'en prie. Attends, je vais essayer d'avoir l'ombre. Le maréchal que nous vénérons la vie. Ce soir, impossible d'entendre quoi que ce soit. Hier, pourtant, c'était très net. Il paraît que les barbiers sont cul et chemise avec les Allemands. On les a vus avec à Guéret. Gabriel aussi. Gabriel? Ça, alors, ça m'étonnerait. Tiens, j'allais oublier, pour les enfants. Du vrai chocolat? Oh, c'est formidable. Toi, tu vas faire des heureux, tu sais. C'est un cadeau de Chabert. De Chabert? Celui-là, il n'y a pas à dire, il sait faire plaisir aux filles. On voit si peu de garçons ici depuis la guerre. Toutes les filles sont folles de lui. Il a de la chance, lui, au moins, d'être revenu. Faut bien quelqu'un pour nous conduire le car. Alors, la belle, tu profites du soleil? Ah, oui, Louis, tu vas pas recommencer. Oh, écoute, Vincent, pourquoi tu veux pas qu'on se voit, tous les deux? Laisse-moi tranquille. Tu ferais mieux de t'occuper de Jeannette et des enfants, va. Ah, ben, c'est pas Jeannette qui te plaisait, c'était toi. Je le sais. Ben, alors, dis-moi, pourquoi tu veux pas qu'on se voit? Je te l'ai déjà dit 100 fois. Quand je pense que Gilbert est ton copain d'enfance. Ah, bah c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour toi, hein, et puis zut. Eh, tu sais qu'il perdrait pas au change, hein. Alors là, t'as raison. Un type comme toi, c'est sûrement une affaire. Parfaitement. Eh bien, ils auraient bien dû le garder en Allemagne. Garçon. T'as l'air bien gaie, toi, ce matin. Demande bien pourquoi. Parce que j'en ai assez d'être enfermée. J'étouffe ici. Et tu vas où, comme ça? À Dalpalto. J'ai des courses à faire pour Angéline. Allez, au revoir, merci.
C'est rare de vous voir par ici, madame Giraud. C'est vrai, je ne sors pas souvent. Mais il faisait tellement beau aujourd'hui, j'ai eu envie de changer d'air. M'amuser un peu. C'est normal, quand on est jeune et joli comme vous. Qu'est-ce que vous faites samedi? Samedi, je sais pas. J'ai un tas de choses à faire. C'est mon jour de repos. Alors, si vous voulez... Qu'est-ce que vous faites samedi? C'est mon jour de repos. Alors, si vous voulez... Au château pour quelques jours? Bonjour Marie, oui, pour une semaine. Toujours les études? Oui, toujours. Vos parents sont restés Limoges? Oui, mon père n'a pas pu s'absenter. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, monsieur Bertrand. Au revoir, Marie. Dites à votre grand-mère, j'ai bientôt terminé sa nappe. J'irai lui porter ces jours-ci. Merci, Marie, je vous dirai. La commande de madame de Beaucourt est prête. Parfait. Merci. À 12 et 8,50. Tu veux quelque chose? Non, madame, votre grand-mère a un coin de chez nous. Je l'inscris sur le carnet. Ah bon. Merci, mademoiselle. Oh, pardon. Madame. Pardon, madame. Bon. Tu as lu mes livres? Tu sais que j'ai trouvé un superbe lépidoptère. Le troïde victorien. Tu viendras le voir. Je passerai le voir, je vous le promets. Tu as l'air pressé? Un peu. À bientôt. Doit vous sembler long, non? Long? Pourquoi? Cette séparation. Il vous écrit? Quelquefois. Pas souvent. De toute façon, j'ai rien à lui dire. Angéline, ma femme me dit que tu as reçu une lettre de Pierre. Oui, une grande lettre. Il travaille dans une ferme en Bavière. C'est peut-être pour pas m'inquiéter, mais il n'a pas l'air de trop se plaindre. Ben, tant mieux. Oui. Vous avez entendu les nouvelles? Mm-hmm. Elles sont encore mauvaises aujourd'hui. Quand est-ce que tout ça va donc finir? Ça vient, ça vient. Moi, j'ai confiance. Ces messieurs ne nous disent pas tout. Savez-vous que les Anglais ont coulé le Bismarck? Le plus gros cuirassé des Allemands. Oui, c'est vrai. Et l'entrée en guerre de la Russie. Vous croyez pas que c'est capital pour la victoire, ça? Vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez. Merci. Vous nous redonnez du courage.
Voilà le seul homme capable de sauver la France. Le seul. Oui. En attendant, il l'a plutôt bradé, la France. Superbe. Ça va très bien. Moque-toi de moi, va. C'est Adrienne Genet qui me l'a donné, elle en voulait plus. Tu viens? Jamais, elle est trop froide. Alors là, t'as raison. Tu sais que t'es belle, Vincent. Regarde-moi. Tu m'aimes? Et si je te demandais si toi, tu m'aimes? Il est vrai que tu serais bien capable de dire oui. T'es pas un mensonge près, toi. Non, tu ne m'aimes pas. Je te plais, c'est différent. C'est vrai que tu me plais. Est-ce que la guerre paraît loin quand on est tous les deux? Est-ce qu'on est bien? L'auberge de la source est où? Derrière la mairie, à gauche. Seulement, le temps de trouver quelque chose à louer par ici. À louer? Vous savez, il y a déjà beaucoup de réfugiés au village. Attendez, je vais demander à ma fille. Vincente? Oui. Tu m'as pas dit qu'il voulait louer chez Poirier? Ah si, ils ont un petit logement, seulement il n'y a pas l'eau courante. Ça n'a pas d'importance. Vous pourriez m'indiquer où habitent ces gens, s'il vous plaît. L'autre côté de la place, derrière la poste. C'est facile, vous demandez monsieur Poirier, le menuisier. Bon, je vais vous accompagner. Ah, oh, merci beaucoup, merci. Monsieur. Merci. Oh, les dames d'abord. Zeilman Joseph. Et votre père, Moshe? Moshe. Moshe. Vous êtes tous les deux polonais. Oui, monsieur, oui. Monsieur. Et vous êtes arrivé aujourd'hui de Chasseneuil. Oui, oui, nous avions passé la ligne et la police nous a retenus 2 mois. Et on nous a envoyés ici. Zeilman Sarah, elle est française. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, alors vous et votre père, vous êtes en résidence assignée. Il faudra passer à la gendarmerie pour une signature 2 fois par jour. 2 fois par jour? Mais je voyais qu'en zone libre. En zone libre, les juifs étrangers ne peuvent pas circuler sans un laissez-passer. Vous habitez Paris? Oui, oui, rue d'Aboukir. Nous tout laisser là-bas. Bijouterie, horlogerie, rafle, monsieur, nous très peur, vous l'a compris. Laisse, papa, tu sais bien qu'ici, il n'y a plus de danger. Moi, déjà quitté village en Pologne, loin, très loin. Bon, vous logez chez Poirier. Vous voulez signer ici? Bonjour, je suis en retard, Milly m'a gardé les petits. Je vous retrouve à l'église. Tu crois? Certaine. Il les a vus tout comme je te vois. Où ça? Dans
sur le petit bois près de la Cédelle. Oh, une femme de prisonnier quand même, si la mère Giroux l'apprend. Vincent, tu vois, tu as trop grandi. C'est un troïde victorié. On ne le trouve qu'en Amérique du Sud. Il est superbe. C'est pas... Et celui-là? Oh non, il ne faut pas avoir peur des araignées. Ils te font jamais de mal, tu sais. Ça va, ma belle? Et Gilbert, t'as des nouvelles? Oui, merci. Je t'attendais. Je te rapporte ton bouquin. Ça t'a plu? Beaucoup. De toute façon, en ce moment, je dévore tout ce qui me tombe sous la main. Faut dire qu'on n'a pas tellement de distractions. Tu sais d'où je viens? Non. De chez Monsieur Alliot. L'ancien moulin derrière chez le tourneur? Il paraît que c'est un original. Il parle à personne. Mais non, c'est un homme passionnant, au contraire. À 64 ans, il fait encore ses 5 km à pied tous les matins. Tu l'as jamais vu passer avec sa grande cape et sa canne? Il m'a dit qu'il avait fait 26 voyages en Afrique. Il m'a montré les papillons qu'il a rapportés. Ils sont magnifiques. Par contre, il interdit quand il les araignées, alors il y en a partout. Oh, quelle horreur! T'as pas chaud, toi? J'étouffe. C'est le printemps aujourd'hui. Le printemps et toujours la guerre. Ça me rend d'une humeur. Mais pourquoi tu vas pas passer quelque temps chez ta tante si tu trouves le temps si long? Non, merci. Tu connais ma tante? Elle s'est mise dans la tête de marier avec son neveu Sylvain. Bah ça, au moins, ça te changerait la vie. Il me plaît pas, il me plaît pas. Là, t'as raison. Prends ton temps, surtout. Et choisis. Choisis? T'es bonne, toi. Où? Au bal? Il n'y en a plus de balles. On voit plus personne. Allez, je me sauve. J'ai promis à ma belle-mère de la remplacer à la boucherie en fin de soirée. Elle m'a quand même dit merci. Ça faisait bien 15 jours qu'elle m'avait pas adressé la parole. Bon, madame, un pain, s'il vous plaît. Qu'il est beau! Mais qu'est-ce que c'est? Une truite. Elle est pour toi, si tu veux. Mais non, Gabriel, t'es complètement fou. Non, non, j'allais te la porter chez toi. Ah bon? Si, si, prends-la. Ça me fait plaisir. Comme t'es gentil. Je sais pas quoi te dire. Merci. Tu sais, Vincent, si t'as besoin de quelque chose, oublie pas que je suis là. Je sais. Merci, Gabriel. Oh, Vincent, on m'a très heureux. Entrez. Je vous apporte un poisson. Oh. Bonjour, Simon, tes parents sont pas là? Non, ils sont partis chercher du beurre et des pommes de terre. Regardez comme il est beau. Oh, un vrai poisson magnifique. Regarde, Simon. Tenez, il est pour vous. Merci, vous êtes gentille, mademoiselle. Très gentille. Monsieur Zaidman, est-ce qu'on pêche de ces gros poissons dans votre pays? Dans mon pays. Ah, mon pays. Dans mon village où moi, je suis né. Près de Smolensk. Attendez. Voilà. Regardez. Ça, c'est tout le souvenir de mon enfance.
Ah, j'étais heureux à ce moment. Nous étions 10 enfants. 10. Avec notre mère. Elle avait du mal à nous faire vivre tous. Il faisait froid, mais nous étions heureux. Et nous allions tous les jours à l'école. Pendant 3 kilomètres, nous marchions. C'était très, très beau parce qu'on était heureux malgré le misère. Heureux, vous savez ce que ça veut dire. Vous avez fait peur? Non, pas vraiment. Vous attendez quelqu'un, peut-être? Non. Enfin, oui. Je suis allé, je me promenais. Il a fait si beau aujourd'hui, j'avais besoin de fraîcheur. C'est vrai, il fait beau sur ce pont. C'est dommage. Si vous aviez été libre, on aurait pu faire quelques pas ensemble. Je suis désolée. C'est-à-dire que j'ai passé tout l'été à travailler chez ma grand-mère. Pff. J'ai loupé mes examens en juin, faut que je la repasse à la rentrée. Quand je pense que c'est juste à la veille de mon départ que j'ai la chance de vous rencontrer. J'ai si souvent pensé à cet instant. Vous rentrez à Limoges? Oui, demain. Qu'est-ce qu'il faut vous dire alors pour vos examens? Rien. Si, simplement. À bientôt. Alors à bientôt. La lumière est belle en fin de journée. J'allais m'en aller. Si le petit-fils de Madame de Beaucourt n'était pas passé, je ne m'aurais pas retrouvé. Je suis quand même content de te voir. Dommage, je pourrais pas rester longtemps. J'ai l'habitude, tu sais. Ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu. Tu sais, je pourrais pas venir samedi. Tu m'en veux? Mais non. T'en vouloir, moi? T'es libre? Tu m'as donné tout ce que je voulais. Le goût de vivre. Bonjour tout le monde. Ça commence à tomber dru. Salut la belle. Donne-moi un petit noir, s'il te plaît. Alors, t'as réfléchi? Tu veux toujours pas? T'as plus de suite dans les idées pour ça que pour travailler, hein? C'est ta faute, tu me plais. Oh, ça va. T'en trouveras des filles qui demandent pas mieux. T'as vu la zone libre? C'est terminé, la ligne de démarcation, c'est bien fini. Ils sont partout, les vaches. Oui, on va pas chez nous, toujours. On n'en voit pas beaucoup, pas ici. Mais la cause, c'est pas stratégique. En plus, on les passe en grand route, Dieu merci. On serait plutôt de 1 et 8 sacs. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mignonne? Bon, moi, la guerre. Dis donc, tu me donnes mon café? Le 11 novembre au matin, en même temps que les troupes allemandes, les troupes italiennes ont pénétré dans la zone non occupée de la France. Non, ça fait un bout de temps qu'il est parti, Gilbert. Je suis bien tranquille qu'une fille comme toi ne peut pas rester si longtemps toute seule. Qu'est-ce que t'en sais? Bonjour, monsieur Alliot. Bonjour, Vincent. Comment allez-vous? Il fait froid aujourd'hui, hein? Avec un ciel comme ça, le moral revient. J'ai écouté Londres hier soir. Les Russes ont repris Stalingrad. Et... Bonjour. Tu n'es pas venu chercher tes livres cette semaine? Tu viens quand tu veux. Je passerai demain. Parfait. Parfait, je t'attends. Allez, au revoir. Y a-t-il un mécanicien? Hé, hey, Morin, tu tombes bien, là? Va me chercher ma caisse. Où elle est? À l'arrière, dans la camionnette.
deux bières, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Alors, deux cafés. C'est de l'orge. Oui. Merci, mademoiselle. Der Automechaniker findet die Panne nicht. Aber er meint, dass es nicht seriös ist. Wir warten ab. Mademoiselle, il nous faut attendre que la voiture soit réparée. Pouvons-nous déjeuner? Une omelette. Avec une salade, si vous voulez. Très bien. Ausgezeichnet. C'est parfait. Je vais vous préparer ça. Mais la table. Comment s'appelle le village ici? Busan. Busan? Je m'en souviendrai. C'était bien poli, ceux-là. Ils sont peut-être pas tous si mauvais que ça. Qu'est-ce que tu crois, tous ces fumiers? Mais qu'est-ce qu'ils en ont tous avec leur sale guerre? Je voudrais que mon Pierre revienne, moi. J'ai tellement besoin de lui. Vincent, j'ai honte de te dire tout ça. Mais non, ça te fait du bien. Aujourd'hui, tu vois, j'ai réfléchi. Déjà, quand une femme aime un homme, c'est difficile, la séparation. Alors, quand elle ne l'aime pas, elle ne peut pas attendre et attendre des années à gâcher sa vie. Je t'en ai jamais parlé, Vincent. Mais tu sais, je te comprends. Merci, Angéline. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu de scrupules pour Gilbert. Il n'en a jamais eu pour moi. D'ailleurs, si tu veux savoir, cette histoire avec Chabert, c'est fini. Fini? Mm-hmm. Depuis quand? La fin de l'été. Oh. Mais tu y tenais? Il me plaisait. Je riais bien avec lui, c'était déjà ça? Que veux-tu? Avec Gilbert, ça n'a été qu'un mariage. Sans amour, pour un enfant sans vie. J'ai raté la première marche, quoi. Cognac, s'il vous plaît. Ah, je n'ai que du mar. Alors, donnez-moi un mar. Avez-vous une chambre pour la nuit? Oui. Qu'est-ce que c'est encore? Je suis, si ça continue à saigner, il faudra appeler le docteur. Attendez. Une chaise pour madame. Oui. Vous permettez? Oui, monsieur.
Pardon. Merci, monsieur. Une autre mare pour madame. Il faut que vous teniez votre main comme ceci. Voilà. Très bien. Il parle mieux le français que moi. J'ai étudié 4 années à Paris. Je peux vous montrer votre chambre? Oui, s'il vous plaît. Pardon. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci. Oh, le sang, ça impressionne toujours. Eh oui. Les soldats pour garder la tête froide. En tout cas, il est bien serviable. Ça va mieux? Oui, ça va aller. Viens, tu dois aller te coucher. Je crois que t'as raison. Merci, ma belle. Laissez-moi. Je ne vous plais pas. Laissez-moi, je vous en supplie. Non. Quelque chose ne va pas? Non. Cette nuit, vous étiez un homme. Ce matin, vous êtes... un officier allemand. Mais je suis fier
d'appartenir à la grande armée allemande. Peut-être plus pour très longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur Zeidman. Combien je vous dois? Rien pour vous. Merci, monsieur Zeidman. Mmh. Je t'ai dit de te méfier, papa. On raconte que cette fille frigote avec les Allemands. Vous allez nous faire arrêter. Mettons mieux avec les barbiers. Ils sont de la milice. Non. Gentil, mademoiselle. Très gentil. Mais pas mademoiselle, papa. C'est une femme de prisonnier. Tu comprends pas? Et je parie qu'il a encore réparé sa montre. Montre, qu'est-ce que c'est, montre? Moi, juste enfilé collier. Papa, mais t'es incorrigible. Je lui ouvrirai les yeux. Si, je lui ouvrirai les yeux. T'énerve pas, Monique. Tu vas encore faire monter ta tension. Gilbert jugera à son tour. Supporter ça chez nous. Pendant que mon fils est au stalag. Merci bien. Il est trop tôt pour en parler. C'est la guerre. Arrête avec ta guerre. Américain, allemand, qu'est-ce que tu veux que ça me fiche à moi? La France. Ah oui, ça, elle est belle, la France. Non, tout ce qui compte, c'est que mon Gilbert revienne et qu'il divorce avec cette traînée. Tenez, Chabert m'a ramené vos médicaments. Faites attention, le docteur Lestrade a mis 3 cachets. Un le matin, un midi et un soir. Bonsoir. Merci. Merci. C'est à moi que revient l'honneur et le très grand plaisir, ce soir, de vous présenter ce spectacle dont le bénéfice ira exclusivement à nos chers prisonniers. Faites commenter. Monsieur, s'il vous plaît. Approchez si vous avez quelque chose à dire. Approchez, laissez-la passer. Allez, montez sur la scène. Vite. Voilà. Vous êtes contente maintenant. Alors, vous allez me laisser présenter le programme. Bien, tout d'abord... Monsieur Chabert, moi aussi, je voudrais... C'est qu'elles sont déchaînées ce soir. D'accord, mon petit, mais alors vite. Vite! Oh. Et voilà, mettez-vous pour votre petite camarade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et moi alors? Dans les coulisses à présent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, n'est-ce pas, mon père? Voilà, nous, mon petit poulet. Mettez-vous là. Attendez, je vais vous placer. Je cherche Vincent de Giraud, monsieur. Oh, mais elle est du spectacle, monsieur Bertrand. Vous feriez mieux de faire le tour par les coulisses. Je compte sur toute votre indulgence, monsieur le maire. Mais c'est une réussite, madame. Tous mes compliments. Et maintenant, beaucoup de buis pour rien. D'après Octave, monsieur Alliot revient. Qui est son acte d'Yves Mirand. Vous savez bien qu'il fréquente jamais personne. Ah oui, c'est monsieur vrai. Binard, le mari. Madame Vincent Giraud, la femme. Monsieur Chabert, l'amant. Monsieur Gabriel Barbier, le monsieur des pompes funèbres.
La scène se passe dans la maison du couple. Sur le lit, le mari, que son épouse croit mort. Mettez-lui quelque chose de confortable. Mon mari aime tant ses aises. Nous avons un modèle en cœur de chêne extra, poignée d'argent, garantie 2 ans. Un autre modèle, en chêne naturelle, poignée métal un peu plus simple. Un modèle imitation, en bois blanc. Mon mari était un homme si modeste. Mettez-lui en bois blanc. Voilà. En bois blanc, c'est bien suffisant. Pour les fleurs, nous pouvons proposer à madame. Oh, mon mari était si simple. Mettez-lui une couronne. De rose ou de lilas, peut-être. Oh non, une couronne de perles. Oui, oui. Mais alors, toute petite. Oui. Toute petite perle. Je vous salue, madame. Mon mari était un homme si bon. Si doux. Si délicat. Si obligeant. Si spirituel. Spirituel? Ah, ça non. Non, 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 non. Il n'était pas spirituel du tout. Car enfin, pour ne s'être aperçu de rien, entre nous... C'est bien à toi de le reprocher. La milice est en train de perquisitionner chez Morin. Morin, le garagiste? Les fils sont dans la salle, je vais les prévenir. Mon Dieu, j'ai entendu du bruit. C'est moi, madame. J'ai oublié mon maître. Oh, madame n'a rien à craindre. Monsieur est bel et bien mort. Oh, le pauvre chéri. Jamais je m'habituerai à son départ. Voici les danseuses du roi Malicoco. Une masselle, allez-y. Vous êtes là? Oui, je suis venu pour une nuit. Ma grand-mère m'a assuré que vous participiez à cette fête, alors j'ai voulu vous revoir. Oh, mais restez pas là, c'est trop dangereux. La milice recherche les réfractaires. Vincent! J'arrive! Partez. Les Allemands patrouillent, ils sont partout. En ce moment, ils perquisitionnent chez Morin. Et ce matin, ils étaient encore chez mes parents. Oui, vous avez raison. J'y vais. Partez maintenant. S'est perquisitionné chez Morin et ils ont arrêté Monsieur Bertrand. On a prévu Madame de Beaucourt aller dans un état. Oh non. Ah, Bertrand. Bonjour. Bonjour. Allez. Laissons-nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allons,
Mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi! Laissez-moi! Il faut que je prenne ma femme! Allez, j'ai le corps de nuit! Laissez-moi! Maintenant, on va s'occuper de sa femme. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas de monnaie. 100 francs? Madame Zeman? Oui? C'est venu. Mais lâchez-moi! 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 Ta pauvre femme. Si c'est pas malheureux quand même. Ailleurs, tout ce que vous voudrez. Mais vous ne toucherez pas à mes papillons. Arrêtez! Monsieur, allez au dépôt contre les araignées. Il n'y a rien. Monsieur, si vous allez plus loin, faites attention aux chiens. L'homme qui s'en occupe n'est pas là et... Ha ha ha!
Ça doit être dur de tenir ça toute seule. Pour sûr. Et encore, faut pas se plaindre, hein. Les aînés sont grands maintenant. Ils donnent un coup de main. C'est que ça va faire 4 ans que le père est prisonnier, hein. Faut s'y faire. Bon, vous savez, pour les œufs, hein, je pourrais vous donner qu'une douzaine cette semaine et 1 livre de beurre. C'est tout ce que je peux faire. C'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu fais par ici? Mais je viens de la ferme de Chassanglard. Qu'est-ce que tu voulais? J'allais au ravitaillement, regardez, c'est dans mes paniers. Bon, ça va, tu vas me suivre. Mais j'y vois rien, moi là. T'as qu'à lever les pieds. Et ma bicyclette? On t'occupe avant. Se balader à l'orée du bois. T'habites où? Buzan. Ton nom? Vincente. Vincent Giraud. Vincent Giraud, tiens, tiens. Je préviens que si tu traînes encore dans le coin, guéras ta jolie petite gueule. Mais j'ai rien fait, moi! J'allais juste chercher du beurre et des œufs. Il y a bon don, le ravitaillement. Mais enfin, vous, vous l'avez vu, ce qu'il y avait dans les paniers, non? Ouais, c'est vrai. Bon, ça va. Maintenant, tu vas gentiment rentrer chez toi. Tu vas oublier d'où tu viens et qui nous sommes. D'accord? Dis-toi bien qu'on te surveille. De près. Giraud, accompagne-la. Merci. Dis-moi, t'en as mis un temps pour aller à Chansonnard? Tu sais bien que ta sœur aime badrouiller. Dis donc, toi, j'ai pas de compte à te rendre. Moi, je te vois, mieux je me porte, t'as compris? Oh, ben elle est pas de bonne humeur avec ça. Bonjour tout le monde. Pourquoi tu le cherches? Mais c'est pas moi, c'est lui. Moi, les Anglais ou les Amerlocs, c'est du pareil au même. J'ai jamais pu les piffer. Ben, regardez tous ces bombardements. Vous allez pas me dire que c'est pas pour démolir la France, hein? Il a raison, monsieur le maire. Sans Pétain, ben on serait dans le beau drap. Mais enfin, les Boches, on était mieux quand ils étaient pas là. En tout cas, je sais pas ce qui se prépare, mais il y a tout un convoi d'Allemands arrêté près du pont sur la Creuse. Un convoi? Mais un convoi de camions? Ah, y en a bien une dizaine. Yvette, prends ma place, je reviens dans un quart d'heure. Mais pourtant dit. Il y a tout un convoi allemand sur le pont. Mais quel pont? Dans le bas de Buzan, sur la Creuse. Nom de Dieu. Giraud! Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu crois que c'est pour nous? Ta gueule, Pierrot. On va pas tarder à le savoir. Regarde, on dirait que le type du premier camion remonte. Passe-moi les jumelles. T'as raison, il remonte. Ah non, le con, il discute avec les autres. Ils vont pas nous faire chier avant le parachutage de ce soir.
Regarde. Ça y est, ils foutent le camp. Salaud, ils ont foutu les jetons. Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Vous prévenir? Oui. Pour rien. C'est vrai ce qu'on raconte? Toi avec les boches? Si vous croyez que c'est facile d'être une femme seule, tout le monde se méfie de moi. Même l'instit. Monsieur Huguet. Oui. Vous aussi, vous vous méfiez de moi. Que veux-tu? C'est la guerre. Écoute-moi, Vincente. Mes hommes ont besoin de pain. Je peux compter sur toi. Je m'en charge. Tu vas au marché? Non, non, je vais voir mon toubib. Ça va pas? Oh, toujours ma jambe. Mon père, il devait m'emmener, puis il a pas pu. L'autre jour, tu m'as dit que t'allais dans le paletot mardi. Alors, je me suis dit, je vais faire la route avec Vincent. Il conduit mieux que Chabert, lui. Il se retourne pas sur ses passagères. Au fait, je sais pas ce qu'il est devenu. T'as des nouvelles, toi? On m'a dit qu'il allait épouser une fille de Guéret, pleine de sous. La pauvre, elle sait pas ce qu'il attend. Tiens, j'ai pensé à ce que tu m'as demandé. Quoi? Des cartes d'alimentation. C'est pas vrai. Mais comment t'as fait? Oh, bah tu sais, hein, Père Barbier, il a ses entrées partout à Guéret. Tiens, Yves-là. Gabriel, t'es vraiment un amour. Mais comment je vais te remercier? T'es contente? Ben alors, si t'es contente, moi je suis heureux. T'as fait attention de ne pas te faire repérer? Plutôt, oui. Tu parles de tout ça à personne? À personne. Je vois que tu t'es pas mal débrouillé. Le jambon, je l'ai pris cette nuit dans la cave de mes beaux-parents. Ben c'est vrai, j'avais oublié, t'es mariée. Je suis aussi femme de prisonnier, vous saviez pas? Si. Et au fond, c'est normal que tu t'ennuies? Pas de lui, en tout cas, si c'est ça que vous voulez dire. Et quand il rentrera? Ça, ma belle-mère s'est chargée de mon avenir. De toute façon, il y a belle lurette qui m'écrit plus. Vous vouliez me parler? Ouais. Écoute, j'ai encore besoin de toi. Non, c'est vrai? Puisque je te le dis. Seulement, je te préviens, ça va pas être de tout repos. Et alors? J'ai pas peur. Je sais. Je tiens à te rappeler qu'aujourd'hui, en France, on fusille. On torture. Partout. Avant-hier encore, ils ont descendu trois des nôtres. Le plus jeune n'avait pas 18 ans. Je sais. C'était un cousin de cousin. C'est pour quand? Jeudi soir. Dites-moi où, j'y serai. Faites-moi confiance. Bon. Je voudrais que tu remontes demain pour qu'on voit ensemble les détails. D'accord. Cette fois-ci, c'est moi qui te raccompagne. J'ai pas besoin de te dire qu'aujourd'hui, notre lutte compte avant tout pour moi. Pourtant, je voulais que tu saches que tu es la dernière personne à qui je voudrais qu'il arrive quelque chose. Voilà. Le moment est mal choisi pour faire du sentiment. Mais je voulais que tu le saches. N'ayez crainte. Il ne m'arrivera rien. C'est la première fois que je suis heureuse. La première fois, vous comprenez? Alors, je ne veux pas mourir. Une nouvelle de Pierre? Non, hélas, c'est ma cousine de Guéret. Il paraît que Madame de Beaucourt va très mal. Elle est à l'hôpital. Monsieur Allion ne quitte pas son chevet. Il m'a dit qu'elle s'était jamais remise de l'arrestation de son petit-fils. Bertrand? Un si beau garçon. On n'en a jamais eu de nouvelles. Jamais.
Oh, la guerre. Tu vois le quai à gauche? Oui. Tu vois les sentinelles qui font les 100 pas? Oui, oui. Dès que la locomotive sera arrêtée pour faire son plein d'eau, nous, on aura 3 minutes pour faire le boulot, pas plus. Après, ce sera à toi de jouer. Pierrot, recule, la sentinelle revient. Châteauroux. Il arrive dans combien de temps? Ça, ma petite dame, vous allez attendre. Il y a priorité pour un autre train. C'est un train allemand. Sur le quai, c'est juste à droite. Meiner Frau würde das auch passen. Guck mal, die schöne Reizwäsche. Ich möchte mal wissen, wo die das alles her hat. So einen werde ich meiner Frau auch kaufen. Ja, wunderbar! Guck mal, die Schöpfe sind ja jetzt! Ja, guck mal! Wie bleibt die denn noch da in dem Koffer? Gib mir noch ein paar mit! Das
sieht ja wunderbar aus. Oh, das werden wir uns als Andenken mitnehmen. Achtung! Bon travail, petite. Je t'ai cherché partout après souper. Oui, Yvette m'a dit ça. Tu sais qu'hier soir, le maquis a fait sauter un train près de Saint-Sébastien. Un train de matériel Bosch. Ah, formidable. Il paraît. T'as pas entendu les avions cette nuit? Ils ont pas arrêté de passer. J'ai pas fermé l'œil. Ils ont débarqué! Ils ont débarqué! Qu'est-ce que tu dis? Les Anglais! Les Américains! Quoi? Ils ont débarqué, mais où ça? En Normandie! Des milliers de bateaux! Des avions! Ouais 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 Les agriculteurs, 36 à Verdemais. Au nord-ouest de 40 ans. Les avant-gardes ont traversé les flèches de la moitié de la péninsule. Il faudrait quelqu'un qui connaisse tes habitudes des cheveux, quoi. Ouais, mais comment se faufiler là-bas? Une femme, peut-être? C'est vrai, bonne idée. Non, c'est vrai, une femme, ça se remarque déjà moins. Alors, prenons la fille Giraud. Vincent? Pas question. Je viens de vous dire que c'est un coup dangereux. Elle a ses entrées partout chez les Boches. C'est même comme ça qu'elle s'est procurée ses cartes d'identité. Je sais. Elle s'en est bien sortie, Saint-Sébastien. Et puis, si on a bouffé, c'est bien grâce à elle. Alors tu veux pas? Non, 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 et non, pas question! Vous faites tout chier à la fin! C'est moi qui décide, oui ou merde! Les gars, il en prince un peu. Oh, oh, merci, monsieur Alliot. Merci. Simon, dis merci à monsieur Alliot. Merci, monsieur. Continue, Simon, continue. Un jour, tu seras un grand artiste. Les nouvelles sont bonnes. Les troupes alliées avancent, elles sont déjà sur la Loire. Courage, ils arrivent. Les Américains! Les Américains! Pas où ça? Sur la route de Tintin. Là le camion! Ah oui, vous avez trouvé ces petits drapeaux! On les a tirés nous-mêmes! Ça fait trois jours qu'ils y travaillent, ils ont usé tous leurs crayons de couleur! Mais... de préparer un discours, ça n'arrête même pas.
faut qu'il aille, Gabriel. Mais il est à l'hôpital depuis un mois. Sale père. Et de quel maquis vous sortez, vous autres, là? C'est vrai, ça, on les connaît pas, au fond, ces gars-là. Savoir si c'est pas des résistants de la dernière heure. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Adrienne? Ah, elle fréquentait un officier Bosch. Il paraît même qu'il a été tué à Stalingrad. Personne! Et puis je m'en occupe! Personne! Arrête! Nom de Dieu! Lâche-moi, Louis! Arrête! Lâche-moi, tu me fais mal! T'as pas le droit! Alors, quoi, tu refuses les avances d'un bon français, puis tu couches avec les boches, hein? Lâche-moi! Écoute, Vincent, si des débuts, ça peut encore s'arranger, hein? Moi, je me débrouille avec les copains, d'accord, hein? Lâche-moi! Attention, hein! Tu parles à un résistant, là! Un résistant, toi! Parfaitement! Tu me ferais mal! T'étais pas pour Vichy, non? Il marche noir, t'as déjà oublié? Et le jour des Einman, j'étais là, moi, je t'ai vu! Sale traître! Tu me dégoûtes! Tu me le paieras, hein! Garce! Arrêtez-la, mon monsieur! Attrapez-la! Arrêtez, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à Vincent. Elle est gentille. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Elle est gentille, s'il vous plaît. C'est inhumain. Vous êtes des assassins. Arrêtez! Non! Arrêtez! Non! Arrêtez! Vous êtes inhumains! Vous êtes des assassins! Arrêtez! Arrêtez! Vite, vite, madame Muguet! Qu'est-ce qu'il y a? Ils font du mal à Vincent, ils veulent la tuer! La tuer? Allez, ça suffit, sortons-les! Thank you.
tu pourras faire quelque chose quand même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, Gilbert. Tous ces marioles, ou sinon c'est moi qui les descends.